Le 22 mai prochain correspond non seulement à la date d'expiration du visa touristique de Jalil Lespère aux États-Unis mais également au jour de diffusion du documentaire que va dévoiler TF1. La première chaîne va célébrer le 20e anniversaire de la Star Academy avec une flopée de témoignages de plusieurs anciens candidats, professeurs. Au sein du château de Damary-les-Lys, parmi les invités, on retrouvera notamment Nico Aliagas, l'animateur historique du télécrochet, Alexia Laroche-Joubert, la productrice et directrice de 5 des 9 saisons, Kamel Wali, le chorégraphe et professeur de danse, Nathalie André, directrice de la 3e saison, Mathieu Gonnet, directeur musical et Armand Altaï, professeur de chant. La gagnante de la 3e saison, Elodie Frégé, la gagnante de la 5e saison, Magali Ivaé mais aussi le vainqueur de la 6e saison, Cyril Sinelu seront deux. La partie tout comme Jean-Pascal Lacoste, Mario Baravecchia, saison 1, Aurélie Conaté, Emma Doma, saison 2, Michal Kwiatkowski, saison 3, Mathieu Johan, Karima Charny, saison 4. Les deux premières lauréates du programme seront malheureusement absentes. La finaliste de la 4e édition, Lucie Bernardoni participera à cette grande fête. La chanteuse a posté un long message sur son compte Instagram à ce sujet. « Je me souviens de l'ado de 13 ans que j'étais, regardant la première saison, et je me disais que jamais je ne pourrais rester enfermée pendant aussi longtemps. Il ne faut jamais dire jamais. Avoir fait partie de la saison 4 est une chance. » Et tous, élèves, comme professeurs, production, musiciens, équipe technique, public, nous avons en commun cette expérience inexplicable qui nous unit, une autre époque, a-t-elle notamment dit. Si elle ne garde que de beaux souvenirs, elle se rappelle de moments plus délicats. Je me souviens que j'étais bien trop jeune, 17 ans. Pas assez armée. Je me souviens avoir mis du temps à m'autoriser ensuite à redevenir un peu moi-même, à ne pas vérifier sans cesse si j'étais écoutée, car être filmée et écoutée 22-24e de n'était pas si simple avec le recul, pas cet âge-là pour ma part. Dans ces quelques mots, elle a eu une pensée pour Grégory Demarchal, mais également Faustine Nougueroto, saison 6, et l'ancien professeur d'éducation physique lors de la 3e et 4e édition, Tiburce Darou. A voir également, Jennifer a-t-elle snobé les 20 ans de la Star Academy? Extrêmement déçue, ses fans montent au créneau. La rédaction a lire aussi Adblock Test, why?